très déterminé pour l'atteinte de ses objectifs, et Jiko Onususu du bloc républicain ne pense laisser aucune piste libre à ses adversaires politiques. Ce week-end, ce sont les conseillers locaux et chefs de village de la commune de Lalo qui ont reçu le candidat de la jeunesse pour lui livrer leurs préoccupations. Très engagé pour siéger au palais des gouverneurs à travers les élections législatives du 28 avril prochain, Ejiko Onususu et son associé Tovignon Marcelin ont choisi la langue locale pour atteindre leur cible. Bloc républicain de Rio. Jeune le donc pour vous à Jassien c'est le calibre de fin. Bon les tours on a un augmentation so, mais ne le venez pas de haut de tour. Il va se battre milieu mi bien fin. Bon tu n'as même jeune le mais bien appelé. Bon alors nos vies mettons à ce bas nous mais n'est pas le combat jeune le il est amazon mais le coup amazon ton. Bon toi on a mon vivo toi il n'a pas hier zomé il a mon vivo il a zomé il a sous cloche le veya toi il n'a pas écouté zomé. Nous avons machine qui tourne mais le capital mais il y a maçon ouais il y a nous éveillons bon top ou non pour éborder ou bien non top ou non quoi nous n'avons vivo bon mais il y a nous n'ayons pas on a bordé tout donc bon nous vivons dans quoi et nous sommes ici donc il est même mille mille nouveau maison républicain ou quoi. Tovignon Marcelin, opérateur économique natif de Lalo et très engagé pour la cause des populations, a exhorté celles-ci à leur adhésion massive au bloc républicain en s'inscrivant dans les registres. Cependant, les inquiétudes reposent sur le positionnement de leur candidat, Ejiko Onususu, à en croire les élus locaux qui l'ont fait savoir à travers plusieurs interventions allant dans le même sens. Le Lalo, Dobo, Kavitine, au sein de Itoué, il est mouillé, il est nitaré, il est bordeluqué, il est nitaré, 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 il est nitaré. Le duo a rassuré les populations qui exigent du bloc républicain le positionnement en tête de liste de leur candidat Ejiko Onususu dans la 12e circonscription électorale avant de bénéficier de leur adhésion et soutien total pour le compte des législatives du 28 avril 2019. Une visite au Sage a clôturé la descente dans cette commune de la 12e circonscription électorale du Bénin. Amin.